Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester cette mini caméra qui reste quand même grosse par rapport à nos locaux, mais montée sur un petit wagon, ça devrait pouvoir faire l'affaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pratique sur une mini caméra que j'ai achetée. Récemment, et je vais tester ça. En fait, je voulais pouvoir filmer les trains en circulation pour pouvoir faire des petits montages vidéo sympas pour plus tard. Donc, j'ai trouvé cette petite caméra Wi-Fi, c'est-à-dire que je réceptionne l'image sur un smartphone ou une tablette pour pouvoir voir en temps réel le parcours de cette petite caméra. Je vais essayer de fixer ça, donc le principe sur un wagon plat, où je vais retirer les accessoires qui sont dessus. Et sur ce wagon, je vais y poser ma mini caméra. Voilà. Que je vais faire tenir par des élastiques, tout simplement. Bon, ça reste encore gros, il y a plus petit. Mais avec le Wi-Fi, j'ai pas trouvé. Donc on va voir, normalement le croisement entre les locaux, ça doit matcher. Voilà, il y a peut-être le wagon est peut-être pas assez stable. Je vais voir, je vais regarder et je vous montre ça par la suite. Donc avec un élastique, hein, ça tient parfaitement. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, après peut-être je vais regarder la stabilité, on va faire un premier essai. Donc là j'allume la petite caméra. Voilà. Je vais essayer de vous montrer le téléphone en même temps. Voilà, il y a une petite application à télécharger que je lance. Je vais chercher le Wi-Fi. Pourtant, le petit voyant, voilà, Wi-Fi est bien activé. Ah, SQ23. Voilà, donc je l'avais déjà appareillé. Je relance la petite application. Là, vous allez voir, c'est magique. Je fais play. Voilà. Là, vous pouvez voir le petit réseau et la petite caméra. On va tester. Bon, on voit que je vois quand même le bout de mon wagon. C'est peut-être pas forcément. Hier, c'est pas terrible. C'est infrarouge. Je vais peut-être la retourner parce que. Je vais y retourner. Je vais la retourner. Donc je fais hop. Là, ce sera peut-être mieux. Bon ben, on va essayer, hein. On va essayer. Donc là, je vois en direct ce qui se passe sur. Oh, c'est génial. C'est en rec. Donc là, si je prends ma 72 000, que j'allume, c'est un peu jaune. Hein.
ressemble un peu. C'est génial. Je vais essayer de faire tourner notre loco. On va se faire doubler par une 67 000. Enlever le son. Bon, ça passe pas sous les tunnels. Il faut un wagon rabaissé. Bien dommage. Un poil trop grosse. Ok. Bon, c'est pas l'idéal ce wagon. Donc là, si on regarde la hauteur, alors ça bouge. Excusez-moi, ça bouge. Mais voilà, je suis à 4 cm. Au-dessus du rail, jusqu'au-dessus de la caméra. Bon voilà, c'était vraiment un petit test rapide pour mes premiers essais avec cette caméra. Donc on voit qu'il y a quelques soucis quand même au niveau luminosité, les couleurs sont pas forcément top. Mon wagon sur lequel je l'ai installé et plus la caméra ne me permet pas de passer sous la zone cachée, ça bloque. Donc bon, donc voilà, ouais, ça permet pas de passer sous la zone cachée. 4 cm c'est trop haut. Depuis le niveau de la voie, il me semblait que j'avais mis un peu plus à certains endroits, donc bon, je revérifierai. Voilà, ça passe pas. Bon, donc j'ai pas pu tester au niveau de la zone cachée. J'aurais bien un peu voulu vous montrer la vision nocturne de cette caméra. Je peux peut-être essayer d'ailleurs là. Je crois que si j'appuie, alors là ça enregistre. Et si je rappuie une fois, non.
Voilà, pendant que ça enregistre, là j'ai l'IR. Je ne sais pas du tout parce que je ne vois pas du tout le rendu, mais voilà, je vous montre un peu. Est-ce qu'on voit des choses? Est-ce qu'on voit mal? Je vais vérifier ça. Je vais faire un petit tour ici. Ah, câble. Voilà, enfin, petit test rapide. Voilà, donc cette caméra, j'ai aucun retour financier dessus. Voilà, vous cherchez sur internet la SQ23, vous la trouverez. Moi, livrée chez moi, j'en ai eu pour moins de 25 euros. Voilà, ça fait ce que ça fait pour 25 euros. Elle est aimantée, c'est vendu avec quelques supports aussi, un boîtier étanche. Il y a la fonction donc infrarouge comme je vous ai montré. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si je la mets là, voilà. Donc voilà, cette petite caméra. Elle fait en dimension, donc je vais vérifier, mais... Voilà, je suis à 28,5 par 31 par contre en épaisseur. Pas en épaisseur, en profondeur. 30 sans la lentille. J'espère que j'ai parié. Merci pour vos likes, vos abonnements. Allez, ciao!